Nous avons parlé de ça, nous avons quelques red flags qui gagnent à cause des taxes. Nous avons parlé de qui ça? Des séries de bagailles pour éviter, sans façon pour ne pas auditer. Et on dit une bagaille qui est fondamentale, c'est causer un com. Nous connaissons des gens qui disent, bon, date ça, m'attend tout le monde fait la taxe. Je vais vous le bon, je ne vais pas besoin de faire la taxe. Je n'ai pas besoin de bonne chance ça. Encore une fois, il faut que ça clair en tête. Oui. Si vous avez des documents que vous obtenez, que vous pouvez rejoindre, si tout des incomes, il faut que vous obteniez. Puisque, pour plusieurs raisons, on va aller comme ça, en fait, on a dit, depuis comme la représentative, ça veut dire. Changement d'incomes, qui impacte la gain? Va aller comme pour ta gain en refund ou pas gain? Les papiers que. Yo diamétralement opposé depuis un comme augmenté refond ou diminué donc on a dit ou même aller ou dire à quoi le tout me demander le dit pas vous même aller au fait taxe ok yo bon par exemple 6000 dollars ou d'accord but yo bon 6000 dollars ça c'est en fonction de un comme que vous gagnez mais on a dit sous terminé 20 000 dollars 30 000 dollars il va taper 6000 dollars il tape 4000 dollars il tape 2000 dollars en moins ça va passer. Eh bien, les ARS, journal avait dit tout ça, l'a dit l'audité, mais on a un com que nous n'avons pas reporté, l'a corrigé, et puis il dit que nous te voyons 2000 dollars là-bas, et vous voyez le tourner, ben nous back. Vous va comprendre? So, en plus, on a dit, mais ça, vous voulez me faire? Bon, tout le monde a fait une fatation, mais avril a arrivé. Bon, on va dire le choix. Et donc, ça, mais ce qu'on a fait, guys, ou capable, en fait, on va attendre toujours pour 15 avril. Mais si vous avez 15 avril à privé, il est préférable que vous fassiez ça, vous avez une extension. Une extension, c'est un bagage que vous pouvez faire online. Extension, ça veut dire que vous demandez un prolongement par rapport à la date pour faire taxe. Vous demandez une extension. Et généralement, l'arrivée dans spring, summer, vous avez besoin de tout domaine du tout. Tout vous avez besoin sous site et sous account qu'on fait avec ARS ou bien aller dans n'importe office ARS. Puisque pas oublier que. Lorsque vous voyez un tenant ou un double du tout bas, vous voyez le bas, mais vous voyez une barre reste. Mais attendez bien ça, vous avez besoin dans le bloc Summer, Spring, vous avez besoin sous account ARS. Soit les connus là, et pour moi de ma salaire, vous avez beaucoup arrivé. Ok? So, encore une fois, guys, pour les gens qui t'a dit, vous ne pouvez pas jamais un tenant. Yo pa janm jwenn e bagay m apresye m fèl. Ou pa bezwen pran chans, ok? Nou pa konseye ou fè sa. Pafwa l kon nou ti mounen ko pa ripot, menm loske l patap gen 3 penalite, li kon fè ke sa ba an retan nan taksou. Ok? So, kon vou fè, ki yo vwe kon riba RS ou pa ripot yo, se vreman red flag. Et l'autre bagage que nous sommes capables de dire de flag, c'est lorsque nous apprenons à interroger des deductions et qui sont vraiment excessives. Et il y a des deductions, nous avons plusieurs. Nous avons parlé de dépenses médicales, nous avons parlé de donations. Nous avons une quantité qu'on prend qui est contingent exagéré, qui a fait que la loi organise pour ouvrir comme barreau, c'est audit ARS. Ça veut dire que nous avons posé aux questions. Nous avons parlé de lorsqu'on prend des deductions qui est un peu exagéré. Parfois, nous dit que le plus souvent, monde qui mettait en pile deduction, c'est si tout le monde est single, il n'a pas fait quoi, il fait ça. Mais dans des biens des billets excessifs, les trop élevés, ça cause qu'il y a une auditeur, ça cause qu'il y a posé aux questions. Ok, donc c'est comme ça que vous comprenez. C'est même bien en tout, lorsque vous avez un business, de vous faire des dépenses qui sont excessives et qui conduit à on pète qui a réduit un comme ça qu'arrive que yo dit tout forme ça dans tête yon bagay que yo fait en pile dans communauté a si tout le monde yo gagne en pile encore yo mette yo crée un business et puis yo fait déficit déficit a pour réduire un bon valeur dans un comme yo son façon pour yo capable faire comme donc nous voulons dire que l'on fait ça mettre dans tête tout que effectivement yo ça qu'arrive que yo audit tout. On va aller audit loterie tout. Audit loterie à qui ça allait? C'est-à-dire que, au hasard, moi, expliqué que ils sont audit loterie. Système n'a ni piqué, on taxe et puis il dit, m'a audit et m'a poser la question. Ok? Mais il y a un autre monde encore à RS Target,
moun ki gen high income yo, ok, e, donc yo target yo, kompran veri, tan kou income wo, avi di wabi che pay IRS, men si ve yo vi plis, men sa moun kapab di diskriminasyon, men kon sa li se pi go kliyan, moun ni santi pi go kliyan yo, donc yo target yo vi plis. Sa pa vle di ke average taxpayer ou pa ka audite non, but moun ki gen high income yo, yo plus exposé et c'est ça qui réalité a et yon autre facteur tout fois nous si souligner gen un peu moun moi qui recevoir l'aide ça qui dit que nous besoin connaître côté fait taxe pour 2023 et yo besoin ça nous les ID verify laissez moi tout ID verify c'est un bagage que IRS font raison XY a décidé ID verify. Basically, a dit vérifier là, c'est des questions que vous posez sur taxe ou bien répondre comment vous avez travaillé, ou qu'a fait online, parfois qu'a fait sur téléphone, mais tout, pour plus rapide, ou rien doit aller dans l'office IRS qui beaucoup de là, ou bon copie taxe dans mon, ou bien on doit avoir un bon ID, quelconque, un de nos bien information taxe, bien entendu, a posé une question pour voir si c'est vous-même. So, so façon pour vérifier c'est vous-même. Alors, laissez-moi dire, dans cause a dit vérifier là, tout autant que yo poko vérifier identité ou poko reporter c'est ou même yo pas jamais process tax ou et gère moun ki yo konn bay wa di vérifier yo pas faire rien et puis l'autre année al bay fait tax ou c'est simple de soi di vérifier ou pas jamais faire l'autre année al fait tax ou pas résoudre non il va résoudre di tax ou toujours bloqué OK so li vraiment important lorsque il faut aller bas ou dire besoin vérifier parce que l'idée c'est moi besoin connaître est-ce que c'est ou même vrai moi besoin gain garantie est-ce que c'est ou vrai est-ce que vous t'ai fait taxe pour 2023 donc c'est ça donc si ou même pas jamais fait ça ou pas jamais vérifier que c'est ou même donc et année comme j'ai dit ça là et année vini et puis année passée ou jamais fait et puis année ça va le faire taxe still problème ou beaucoup résoudre problème là Pabstil va kajan taxo. Donc, faut qu'on fait ID verify, vérifier que c'est vous-même, justement, pour capable, en fait, pour capable, justement, continuer faire taxo. Sauf à avoir dit que, en fait, nous parlons de ici, et nous parlons de missing income, mais qu'on l'a dit tout, oui. Et, là, mettez des chiffres. Et là, on a toujours mis le chiffre 0. Chiffre toujours 1. OK? Chiffre toujours 1. Donc, ça va s'en bas, c'est suspicieux tout. Vous comprenez le chiffre toujours 0, toujours 1. OK? Et donc, ça la donne tout. Donc, l'important, justement, pour que nous ne pas exagérer dans la déduction, vous comprenez? Puisque là par exemple donation ou travail pour 30,000 dollars ou dit ou by donation 10,000 dollars il pas make sense généralement donation comme vous connaissez c'est 10% de ça rien donc soit tu travailles pour 30,000 dollars à la rigueur ou kabay et ou kabay et je ne dis pas c'est 10% ça peut arriver que ou by 3,000 dollars OK but il va make sense parce que on va des montants exagérés. OK, monsieur, tu que nous comprendre ça dit là.